2020 ou après la Coupe du Monde 2022, si Zinedine Zidane arrive comme sélectionneur de l'équipe de France, là, évidemment, je pense même peut-être qu'il le rappellera ou qu'il sera rappelé. Et il aura 34 ans après la Coupe du Monde, en tout cas. Karim Benzema, c'est, vous l'avez rappelé, Yoann Riou, 81 sélections en équipe de France. Sachez que seuls 16 joueurs ont plus de sélections en équipe de France que Karim Benzema. Et ces 16 joueurs, vous allez devoir les retrouver. Voici le jeu du survivant. Tu peux te tromper. Je vous rappelle la règle du survivant. Je vais vous demander, à tour de rôle, de me donner l'un des 16 joueurs qui a plus de sélections que Karim Benzema en équipe de France. Si vous me donnez une bonne réponse, vous restez en vie, tout va bien. Si vous me donnez une mauvaise réponse, vous quittez le jeu. Voilà. Et vous êtes humilié. C'est terrible. Jeune, évidemment. Nous allons commencer. Nous allons commencer par Yoann Riou, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Donc il commence. Thuram. Yoann Thuram, évidemment, recordman de sélection avec 142, c'est une bonne réponse. Vincent Deluc. Hugo Lloris. Hugo Lloris, ça marche aussi. 116 sélections pour le gardien de l'équipe de France. Raphaël Sebaoun. Amoros, 82 sélections. C'était le record à un moment. Bien joué, ah Raphaël. Bon. Effectivement, Manuel Amoros, 82 sélections. Thibaut Mézirian. Vous pouvez faire un sans faute, franchement. Ouais. C'est pas si dur que ça si vous réfléchissez bien. Laurent Blanc. Laurent Blanc, ça marche. Laurent Blanc, oui, 97 sélections. Il n'est pas arrivé jusqu'à 100, Laurent Blanc. Eh bien, un autre qu'en a 97, c'est Vicente Lizarazu. Bien joué. Qui n'est pas arrivé jusqu'à 100 non plus, Vicente Lizarazu. De Sailly. Vicaj Dorasso, De Sailly, 116 sélections en équipe de France. C'est un sans faute pour l'instant. Et je reviens vers vous, Yoann Riou. Deschamps, il a plus de 81 sélections quand même, Deschamps. 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 Bah ouais, Deschamps. Bien sûr. 103 sélections, évidemment. Bien sûr. Attention, ça se resserre. Olivier Giroud. Olivier Giroud, ça marche. 99 sélections. Il pourra fêter sa 100e sélection lors du prochain rassemblement de l'équipe de France. Raphaël Sebaoun. Zidane. Zidane, ça marche. 108 sélections pour Zinedine Zidane. Aïe, 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 aïe. J'ai peur. Je crois qu'on n'a jamais fait le survivant avec un sans faute. Hein. Je ne veux pas vous mettre la pression, mais un peu quand même. Arrêtez. Je suis en train de me perdre. Du coup. Allez, 3 secondes. J'ai 3 secondes. Allez, Thibaut, mais donnez un nom. Je vais dire une bêtise. Il est perdu là déjà. Il vous a fait perdre. Mais c'est terrible. Non, Bertrand Latour. Thierry Henry. Eh ben oui, Thierry Henry, 123 sélections. Vikash. Dis ton nom. Pas de Vieira. Eh oui, pas de Vieira, 107 sélections, évidemment. Eh oui. Yoann Riou. Djorkaeff. Djorkaeff, ça marche, 82 sélections. Une de plus que Karim Benzema. Là, c'est moi qui vais un peu coincer. Ben non, Thibaut a coincé déjà. Moi, je peux coincer sur l'équipe de France, c'est pas possible ça. Ouais. Donnez un nom. 5 secondes. 3 secondes. Griezmann. 80, c'est pas de bol. Hein. À une semaine près, c'était mais bon. Non, mais je devrais connaître les autres, donc je suis pas. Vous les connaissez, vous savez qui c'est en tout cas, hein, ça c'est sûr. Vous avez peut-être même écrit dessus, je pense. Raphaël Sebaoun. Barthez. Fabien Barthez, 87 sélections, ça marche. Thibaut, vous n'êtes plus là. Avec un léger doute, mais Blaise Matuidi. Ça marche, 84 sélections, il reste 2 joueurs à trouver, Vicaj Dorasso. Patevra. Patevra, et ben non, et ben ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas, Patevra. Je pense qu'il y est, Galas. William Galas, ça marche, 84 sélections. Raphaël, vous pouvez remporter ce jeu si vous trouvez le joueur à plus de 80 sélections, le seul joueur qui reste. Et c'est pas le plus évident, franchement. On peut avoir le poste, ça y est, je trouve. Wiltord. Oui. Wiltord. Oui. Sylvain Wiltord, c'est une bonne réponse. Mais pourquoi il a gagné? Moi, j'ai pas perdu. Raphaël, c'est bah, vous êtes 3 vainqueurs. Bah oui, parce que finalement. Bravo, voilà. C'est très bien joué. C'est Bertrand, Yoann et Raphaël Sebaoun, bravo à vous. Dans un instant, on parlera Mercato. On connaît, ça y est, le joueur prioritaire pour le Paris Saint-Germain d'ici la fin du marché des transferts. On vous donnera également le prix fixé pour Oussem Aouar. A tout de suite.